Javier Gutiérrez, nous sommes heureux de vous voir à Marseille, une nouvelle fois à Ciné Horizontes. Alors là, vous avez regardé quelques minutes du film Campeones. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux sur ce film ? Sí, he visto unos minutos de la película porque ahora en estos momentos en los que estamos tan enganchados a las plataformas y consumimos cine y televisión de una forma casi compulsiva en nuestras casas, compartir cualquier experiencia cinematográfica, ya sea un drama o en este caso una comedia con el público, es algo impagable. Dit que actuellement on est très accroché aux plateformes, aux vidéos, à la maison, etc. De voir un film sur grand écran avec un public, c'est quelque chose d'incomparable par rapport à effectivement quand on est tout seul devant un écran à la maison. Hier soir, vous avez présenté donc un film qui va bientôt sortir, j'espère, en France, Honeymoon, un film particulier. Alors, moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin, puisque j'ai assisté à tout ce que vous avez dit dans la salle. Finalement, c'est un film qui égratigne le genre humain. Bueno, es una película que habla de segundas oportunidades, del amor, del desamor, y es algo que nos atañe a todos, de una forma u otra, ¿no? ¿Quién no ha estado enamorado alguna vez? ¿Quién no ha sufrido una ruptura sentimental? Y creo, una vez más, que en los tiempos que corren, todo va tan a prisa que no nos damos tiempo para una pausa. Y para meditar o pensar si vale la pena conceder una segunda oportunidad a las personas no solo que amamos sino que están cerca de nosotros. Si c'est un film qui effectivement dans à notre époque maintenant permet de voir qu'on a effectivement vécu déjà des périodes d'amour, de rupture amoureuse. Et se demander si ça vaut le coup de donner une deuxième chance à quelqu'un et s'il ne faudrait pas, effectivement, par cette époque mouvementée que nous vivons, faire une pause dans notre vie pour voir ce qui se passe. A mí me parece una película muy interesante ahora mismo, donde, por desgracia, hay un exceso de superhéroes, de comedias facilonas, y hacer una película en la que los silencios tienen tanto peso y donde casi se puede leer lo que piensan los actores es algo que, como espectador, yo necesito a la hora de sentarme en una butaca de cine. Dit qu'actuellement on a tendance à faire des films, des comédies faciles, etc. Que dans ce film, il y a des silences qui en disent beaucoup, qui permettent de comprendre presque ce que pensent les personnages. Et en tant que spectateur, c'est quelque chose dont il a besoin lui-même. Et il y a même des dialogues qui sont très acérés, et on peut le dire, qui sont cinglants. Yo suelo decir que cuando hay un buen guión, y esto tiene que ver con que haya unos personajes poderosos, la mitad del trabajo de los actores está hecho. Hay mucho camino ya recorrido. Y este es un grandísimo guión. Là, il a tendance a dire que quand il y a un bon scénario, déjà la moitié du travail est fait pour les acteurs. Et là, c'est vraiment un film avec un très bon scénario. Vous avez une filmographie qui est impressionnante avec toutes les récompenses que vous avez eues et puis avec vous êtes venu à Marseille déjà c'est la deuxième fois je crois que vous venez dans le cadre de Ciné Horizontes. Est-ce que vous aimez vous déplacer avec les films parce que j'ai l'impression que vous aimez bien aussi parler avec les spectateurs. Je suis un acteur éduqué dans le théâtre et pour moi c'est très important de tenir contact avec le public. Creo que en el cine el trabajo no se termina cuando uno finaliza el rodaje, sino que continúa. Y en ese sentido tenemos que aprender mucho de los americanos. Hay como una continuidad del trabajo a la hora de promocionar y de acompañar a la película por los festivales por los que viaje. Y creo que independientemente de que sean festivales más pequeños o más grandes, es muy importante que los intérpretes, los directores, las directoras acompañen a su película, ¿no? No deja de ser su pequeña criatura la que hay que cuidar y mimar. Lui, il a été formé au théâtre et il a besoin de ce contact avec le public.
donc ils trouvent que c'est nécessaire de continuer après le tournage du film, ça ne s'arrête pas là, mais de continuer à présenter le film et à s'inspirer de cela, des Américains qui ensuite font la promotion, etc. C'est une façon d'être avec le public et de faire découvrir le film et de continuer à le faire vivre, ce film qui a été tourné. Et en même temps, délivrer peut-être des messages. Alors là, je me rends compte que dans l'écran, nous avons commencé avec Campeones, il y a le logo handicap. Et donc, moi j'aimerais justement, voilà, on va revenir à ce film-là pour terminer. Campeones, justement, vous avez donné un message aux spectateurs dans la salle, c'est vraiment pour ça que vous faites du cinéma aussi et de la comédie, pour aussi délivrer des choses, pour faire réfléchir, puisque vous l'avez dit plusieurs fois, réfléchir après la vision d'un film. En particulier avec Campeones. Creo que l'objectif du cinéma, además de entretener y divertir, es concienciar a la sociedad. Es que sea un lugar de debate, un espacio para reflexionar y Campeones no puede escaparse a eso, ¿no? A pesar de utilizar el humor, se habla de un tema muy serio, que es el darle visibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido, en nuestro país, en España, ha sido una película muy importante. Más allá de la taquilla, más allá de los espectadores, más allá de los premios, ha conseguido el objetivo, que es dar visibilidad, dar voz a las personas con discapacidad y sobre todo que la sociedad deja a un lado esa mirada compasiva que ha tenido hasta hace bien poco, por un problema yo creo que básicamente educacional. Oui, dans le film, effectivement, il peut y avoir un message, mais c'est surtout donner de la visibilité à toutes ces personnes qui ont un handicap et qui, jusqu'à présent, on a mis de côté, qu'on n'a pas visibilisé. Et là, avec ce film, c'est à part, c'est pas un côté misérabiliste, il y a de l'humour, mais en même temps, c'est pour faire réfléchir les gens, pour leur faire prendre conscience que ces personnes-là existent. Et en Espagne, à part ce film, à part le fait que ça a été un film qui a eu beaucoup de spectateurs, oui, beaucoup de succès, des prix, etc., ça a peut-être permis aux gens de réfléchir sur ce que pouvait être le handicap et que ce n'est pas uniquement ce qu'ils pensaient, mais voir une autre façon d'imaginer le handicap, qu'il y a des personnes avec un handicap qui sont des personnes comme tout le monde. C'est un plaisir de comédien, justement, de communiquer tout ça. Insisto, cuando hay un buen guión y el cuentecito que contamos tiene todo el sentido, pues uno se encuentra mucho más a gusto, ¿no? Yo me hice actor precisamente para, sabiendo que soy un vehículo para que el director cuente su historia, contar este tipo de cuentecitos al espectador como si fuesen niños pequeños y de alguna forma séduire-les et que cale le message. Oui, il dit qu'il revient sur le fait qu'effectivement c'est le scénario, si le scénario est bon, ça permet de transmettre des petites histoires comme ça, que lui est devenu acteur dans ce but, un peu de pouvoir transmettre des histoires, et qu'effectivement dans ce film ça lui a permis de transmettre ce message sur le handicap, parce que le scénario était bien ficelé à ce niveau-là. En tout cas, nous, on vous remercie. On souhaite que vous veniez à nouveau à Marseille, dans le cadre d'un prochain festival, et puis que vous continuiez à faire de tels films. Merci, Javier. Pues muchísimas gracias. Ojalá pueda seguir viniendo y asistiendo con esta felicidad que me embarga cada vez que vengo a Marsella o a Francia y veo la respuesta del público francés con respecto a nuestro cine, que es algo que me emociona, sinceramente. Oui, il espère pouvoir revenir et ce qui lui fait plaisir, c'est de voir comment les gens, les spectateurs réagissent au cinéma espagnol, et ça l'émeut beaucoup de voir ses réactions face au film. Merci beaucoup.